Bon, bah tout d'abord, bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne YouTube. Bon, bah aujourd'hui c'est mardi, c'est le vlog hein, comme d'habitude. Bon, bah je vais vous annoncer les nouvelles. Hein. On va commencer par ça. Déjà, ça sera déjà pas mal. Bon, bah j'ai commencé depuis 2 jours ce que je dois faire. Voilà, la diète est repartie. Voilà, je vous le dis. Je vous l'annonce. Voilà, je vous le dis hein, par rapport à ce que mon médecin m'a dit. Bah voilà, obligé de reprendre la diète alimentaire, obligé, pas le choix. Bon, pour l'instant, ça se passe très bien. Hein. Je vais vous dire, j'ai commencé depuis hier. Pour l'instant, ça va. Bon, après, je vous le cache pas, hein, je continue la même diète que je faisais avant. Pour les anciens qui savent, avant le début d'ouverture de ma chaîne YouTube, les anciens savent comment, de quoi c'est basé, de comment je fais. De comment je gère ça. Je gère ça à ma sauce, à la sauce à tonton. Ne vous inquiétez pas, il y aura du résultat. Ça, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est voilà, c'est un truc que j'ai depuis des années, maintenant que je fais. D'ailleurs, une petite dédicace à quelqu'un en particulier. Bon, je ne sais pas s'il verra la vidéo, mais je le dis quand même parce que c'est un ami que je vois très peu, qui m'avait donné justement cette solution-là et cette solution-là est très bien. D'ailleurs, merci à toi. Et ça fait quasiment une dizaine d'années que je l'utilise et franchement, il y a du résultat à chaque fois. Il y a du résultat à chaque fois et franchement, très bien. D'ailleurs. Et puis voilà. Et puis après, bon, bah aujourd'hui, bonne nouvelle qui est tombée. Figurez-vous, je m'y attendais pas. Les amis de la famille, je m'y attendais pas. L'expert c'est terminé, ça y est, enfin il a enfin eu ce qu'il a voulu, il était content d'ailleurs, ça y est, au bout de presque 6 mois il a quand même lâché un petit peu la grappe quand même, donc du coup bah là maintenant il n'y a plus qu'à attendre l'accord de la maison mère et normalement ça devrait passer, mais il faut toujours voir par rapport aux problèmes qui se posent toujours d'ailleurs, au problème des 2 signatures. Normalement, la secrétaire pense que ça devrait passer. Normalement, il devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours la grande inquiétude, toujours la grande question qui se passe. Lui, l'expert a validé, donc normalement, ça devrait pas poser problème. Normalement. Là, j'attends demain. J'attends les instructions. On va bien voir qu'est-ce qu'on va me dire. Parce que peut-être que l'appel, je pourrais peut-être le recevoir demain ou grand maximum jeudi. Et après, normalement, ben, si c'est bon, si ça passe avec eux, s'ils sont contents eux de leur côté, normalement, ben, peut-être la semaine prochaine la voiture ou peut-être un peu avant, je ne sais pas. On verra bien, après c'est pas moi qui décide. Mais bon, déjà une grande avancée là-dessus, déjà. Donc déjà une énorme avancée pour moi, déjà je suis content parce que vous savez depuis combien de temps je l'attends. J'ai quand même remué ciel et terre, quand même je ne vous le cache pas, mon ref je te réponds après. Et donc voilà, et j'ai quand même remué quand même ciel et terre pour essayer de réunir toutes les choses demandées depuis quasiment 6 mois maintenant. Et donc c'est une très belle avancée là-dessus. Je suis quand même assez ravi quand même d'avoir entendu ça quand même de la secrétaire parce que la secrétaire elle a dû souffler elle-même, je pense, parce que c'est vrai que quand même un sociétaire qui appelle sans arrêt pour savoir où s'en est le dossier, pour savoir s'il n'y a pas encore des choses qui vont nous tomber dessus, tout. Et que là voilà, l'expert au moins c'était le plus gros des choses, au moins lui il est illuminé déjà. Au moins, déjà, j'en entendrai plus parler. Jusqu'à un prochain sinistre, éventuellement. Mais bon, normalement, ça devrait passer. Donc voilà, donc grande nouvelle là-dessus. Là, j'attends toujours le retour de ma chargée d'insertion professionnelle parce que ben, elle était pas lolo. Donc j'attends savoir par rapport à ce qu'elle a dit, de ce que j'ai pu dire et échanger avec elle un petit peu la semaine dernière. Donc du coup, je vous dirai quoi dans la Tonton Story, je vous dirai quoi. Voir un petit peu ce qui se passe. Parce que de toute façon, je vais faire remonter là-bas, je ne vous le cache pas. Et puis voilà.
parce que moi il y a des choses qui m'ont pas plu. Donc du coup très bientôt, ben rendez-vous chez ma coiffeuse. Enfin, déjà ça aussi, ça va être un grand ouf de soulagement pour moi et même pour vous d'ailleurs, qui me voyez avec cette tête quand même affreuse. Je vais pas le cacher, je vais pas le cacher quand même, parce que même pour moi ça devient très compliqué, même pour me laver les cheveux, etc. Bon, la barbe ça va encore, je vais pas dire ça va encore. Mais pour se laver les cheveux, c'est vrai que ça devient très compliqué. Ça devient énormément compliqué. Et là, il est grand temps de faire quelque chose parce que je vais pas dire que je me lave pas les cheveux, c'est pas vrai. Hein. Mais c'est parce que ça devient compliqué. Bon, enfin, certains d'entre vous comprendront. Il y en a d'autres qui comprendront pas parce que moi, je peux pas avoir les cheveux comme j'ai là. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible pour moi d'avoir ces cheveux-là. C'est pas possible. Je vous le dis, je ne vous le cache pas, c'est pas possible. Parce que voilà, il faut que vous le sachiez. Pour moi, je peux pas avoir les cheveux de cette envergure-là, c'est pas possible. Parce que voilà, après, voilà, c'est pas possible. Je peux pas avoir ces cheveux-là. Parce que voilà, après, bon, bah pour certains d'entre vous, vous le savez, je peux pas avoir les cheveux très longs. Ça, vous le savez. Ça date pas d'hier, parce qu'après, voilà. J'ai des problèmes à ce niveau-là et malheureusement, ben, c'est pas toujours facile pour moi. Mais je m'en excuse. Mais ne vous inquiétez pas, ça, après ça, il n'y aura plus de soucis. Après, dès que j'aurai ma voiture, il n'y aura plus de soucis avec ça. Tous les 15 jours, j'irai toujours chez ma coiffeuse comme d'habitude. Comme vous l'avez vu avant. Ça va reprendre. Vous inquiétez pas. Bon, après, je sais. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tonton. On voudrait bien voir ta coiffeuse faire. Non. Je pourrais peut-être éventuellement lui poser la question si elle serait intéressée de passer sur la chaîne, mais je pense que ça m'étonnerait. Je ne vais pas vous dire de réponse oui ou non. Je ne vais pas vous le dire. Parce que voilà, je sais, après, voilà, il y a des gens, voilà, avec leur esprit mal placé, entre guillemets. Voilà, je connais la musique. Je sais très bien, et pour ce qu'on m'a fait passer aussi il y a quelque temps de ça, je ne préfère pas non plus. Mais éventuellement, je pourrais peut-être lui poser la question. Éventuellement, voilà, ça peut toujours se poser, mais je connais déjà plus ou moins la réponse avant de vous le dire. Parce qu'après, voilà, après, faut voilà, il faut. Après, c'est pas toujours facile de faire ça. Que les gens soient d'accord, etc., c'est pas toujours évident. Mais je vous réponds déjà éventuellement ce qu'on pourrait me dire. Parce qu'après, voilà, vous savez que voilà, je suis quelqu'un qui m'expose beaucoup. Et puis, voilà, puis de faire montrer les personnes aussi qui s'occupent de moi, entre guillemets, ben voilà, c'est pas toujours évident. Parce que voilà, il y a des gens, ils n'arriveront pas à s'exprimer, machin, ceci, cela. Après, il y a des gens, ils veulent pas, ils veulent rester dans l'anonymat, et chose qui est plus ou moins normale. Ça, c'est normal. Voilà. Je vais pas dire le contraire, c'est quand même normal et ce qui est logique. Mais je préfère me vous répondre maintenant, avant que vous me posiez la question. Je vous donne déjà au moins une réponse de choses, et puis voilà. Parce que voilà, après c'est spécial, hein, comme je vais vous dire. Après c'est très 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 spécial de voilà. Que voilà, ben c'est pour ça. Après on peut pas toujours convaincre les gens. On peut pas toujours convaincre les gens à faire les choses que nous. On a demandé. Vous voyez? Après, il y en a, ils comprendront. Il y en a, ils comprendront pas ce que je dis, mais voilà, mais je préfère me le dire. Parce que voilà, on a eu quelques soucis dans le passé. D'ailleurs, que quelqu'un avait été raconté quelque chose, et puis que ça a fallu mal se finir avec ma coiffeuse, malheureusement. Bon, les anciens, vous vous en rappellerez. Je vais pas le redire. Parce que ça se fait pas. Je vais pas le redire. Parce que voilà, hein, on m'a déjà fait passer pour quelqu'un que je n'étais pas d'ailleurs, par rapport à des sujets comme ça, et que c'est pas le cas du tout, que j'ai toujours respecté les gens,
à ce niveau-là et j'ai pas envie de voilà que ça se repro que les choses se reproduisent etc. J'ai pas envie. Donc voilà. Donc parlons un petit peu d'un autre sujet. Bon, j'ai pas l'animation pour demain. Je ne sais pas ce que Cosmin Pack Gaming fait en ce moment d'ailleurs. Salut, je sais pas ce que tu fais en ce moment. J'ai pas de nouvelles. Bon, comme je vous l'ai toujours dit, mon retour à l'assaut, il est imminent, ça vous le savez. J'arrête pas de vous en parler, mais ne vous inquiétez pas, je vous promets un petit truc autour de ça. Voilà. Mais vous le savez que mon retour à l'assaut, il est imminent. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais tonton, tu parles pas trop du salon du geek, etc. Mais oui, mais je peux pas trop vous en parler, je vais pas à l'assaut. Donc je peux pas vous expliquer en fait. J'étais aux réunions, vous avez qu'à regarder sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à les regarder. Je vous avais fait un débrief autour de ça il y a quelques mois en arrière. N'hésitez pas à aller sur la chaîne secondaire et n'hésitez pas à vous abonner aussi par la même occasion. N'hésitez pas non plus. Faites-vous plaisir aussi à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que sinon, vous ne pouvez pas suivre. Parce que vous savez que les contenus associatifs seront tournés maintenant sur ma chaîne secondaire. Et ça, vous le savez. Bah, pour les anciens, vous le savez. Mais les nouveaux, vous ne le savez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire. Je l'épingle à chaque fois. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, je l'épingle à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour aller voir les contenus de l'assaut, etc. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas. Ça, je vous le dis parce que le vlog que je fais au Salon du Geek à chaque fois, maintenant, sera filmé sur ma chaîne secondaire. Voilà, je vous le dis. Parce que sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien que j'ai fait une chaîne gaming que je ne filme pas de contenu. Je sais, vous allez me dire, ah, mais tonton, en ce moment, tu joues pas. Honnêtement, j'ai pas le courage. Voilà, je vous le dis, j'ai pas le courage de faire du contenu sur ma chaîne secondaire. Je m'occupe déjà de ma chaîne principale, c'est déjà beaucoup de choses. Déjà, de prendre du temps, déjà pour faire ça, parce que, comme vous le savez très bien, je ne me vois pas YouTubeur. Ça, vous le savez. Ça, vous le savez très bien que, voilà, que mes chaînes YouTube, c'est en plus. C'est des choses en plus. Ça, je vous l'ai toujours dit et je resterai sur cette décision. De moi, ce qu'il faut savoir de YouTube, j'en vis pas. Comme vous le savez, je fais une autre activité à côté. Je préfère me le redire pour les nouveaux arrivants qui ne le savaient peut-être pas, mais moi, pour moi, YouTube, c'est en plus. Voilà, c'est quelque chose que je fais en plus. Donc voilà. Donc remettre les choses au clair, les pendules à l'heure, c'est bien des fois aussi de le faire. Donc voilà les amis, donc moi je vais vous laisser là. Rendez-vous au prochain numéro dans la joie et la bonne humeur. Donc moi je vais vous donner rendez-vous vendredi pour la Tonton Story. Espérons avoir du nouveau là-dessus. Et puis voilà, hein. Je pense que ça sera pas mal pour cette fin de soirée de mardi. Je pense que ça sera pas mal. Donc voilà, donc sur ce, peace à vous. Et surtout prenez tous soin de vous. Salut ça.